comme son patronyme le laisse clairement entendre, cette Ferrari 488 Pista, piste, circuit en italien, est la version acérée de la 488 de série. Son petit V8 3.9 biturbo gagne 50 chevaux et passe, tenez-vous bien, de 670 à 720 chevaux, ce qui en fait la Ferrari V8 la plus puissante de l'histoire. Une cavalerie qui était l'apanage de certaines supercars il y a encore quelques années. De quoi expédier le 0-100 km/h en 2 secondes 85 et le 0-200 km/h en 7 secondes 6 pour une vitesse maxi de 340 km/h. Bien évidemment, l'aérodynamisme est optimisé avec un nouveau diffuseur, un avant creusé qui crée un nouveau conduit d'extraction de l'air, un nouveau becquet arrière, tout cela dérivé évidemment des versions de compétition. Le poids fait l'objet d'un travail approfondi évidemment avec un gain de 90 kg par rapport à la 488 GTB de série pour un poids total annoncé hors fluide de 1280 kg. Outre des bielles en titane, la mécanique gagne 18 kg à elle seule. Capot, becquet arrière et bouclier adoptent de la fibre de carbone, une fibre de carbone que l'on retrouve également au niveau des jantes proposées en option qui permettent un gain de 15 kg. Cette 488 Pista reçoit également un tout nouveau système de contrôle électronique du freinage qui marche en symbiose avec toutes les autres béquilles électroniques et permet notamment des freinages beaucoup plus efficaces en courbe. Cette 488 Pista sera commercialisée l'été prochain à un tarif de 291 710 euros à comparer aux seulement entre guillemets 260 000 de sa petite sœur, la GTB.